Ok, bah je vais lui dire de lancer, je vous laisse bouger, je vais le bouger ici. Ça marche. Enfin, je vais le bouger dans Runner, je veux dire. Donc, Ok. User left your channel. Et bonne chance à le UQ. User left your channel. User left your channel. Ok, merci bien. Bon, bah on y va, hein, parce qu'on a déjà assez de retard, je crois. Je suis sur un petit hard reset. Ouais, merci bien. Ok, ben, bienvenue à Ghost Troop. Hein. Sans attendre, on y va. Moi, je vais jouer avec Max et c'est parti. Alors, Ghost Troop, c'est. Bon, c'est pas le jeu le plus connu de la SNES, mais généralement, les gens qui le connaissent l'apprécient beaucoup. C'est un jeu qui est pas mal porté sur les énigmes et qui s'apparente beaucoup à un Zelda. Voilà, si vous connaissez pas, c'est un jeu à faire. C'est énorme, surtout en outil. Voilà, il y a pas mal d'énigmes à base de blocs à pousser comme celui-là. Je peux aussi porter des items. Là, j'ai pris une planche qui va me servir à combler un trou un peu plus loin. Et j'ai aussi chopé un grappin qui me permet de bumper les ennemis. Et aussi de faire ça, ce qui est assez cool. Voilà, là, je fais tomber les ennemis dans l'eau. Et j'ai résolu la salle. Donc, quand un ennemi est bumpé par le grappin, je peux passer à travers. Ou ça me permet aussi juste de le repousser. Voilà, là, c'est la première énigme pour libérer une clé. C'est un principe assez connu, shooter dans des blocs, les blocs ne s'arrêtent pas tant qu'ils n'ont pas heurté un obstacle. Alors c'est un run dans lequel il y a autant que possible, j'ai vraiment essayé d'optimiser mon mouvement, comme dans n'importe quel jeu, mais en particulier dans celui-là, parce que le mouvement diagonal n'est pas aussi rapide que les mouvements horizontaux et diagonaux, donc il faut faire attention à ne pas bouger diagonalement vers un mur par exemple, pour éviter de perdre de la vitesse. Faire un peu attention à ce qu'on fait, regarder les pixels, tout ça. Et là j'ai chopé une clé, maintenant on va aller à gauche. Ici il y a beaucoup d'ennemis et on va voir si je me fais pas trop troller. Ok, ouais là j'étais un peu prudent. Un coup d'une vie. J'étais un peu prudent parce que ces portes épiques bougent aléatoirement. Il y a quelques ennemis dans ce jeu qui se déplacent de manière aléatoire. Par exemple, à peu près tous les mecs, tant qu'ils m'ont pas repéré, ils vont se déplacer d'une manière aléatoire. Jusqu'à ce que je sois. C'est pas. Jusqu'à ce que je sois en proche d'eux. Auquel cas ils vont se mettre à me poursuivre. Voilà, je vais faire la deuxième ligne pour récupérer la grosse clé. Ça c'est la clé du boss. La voici. La fois nouveau que je batte tout le monde. Alors la façon dont ce jeu fonctionne, il y a des drops que je peux récupérer en soulevant des pots, en général, où ils peuvent se trouver là comme ça. Les cerises me donnent un cœur et les bananes m'en donnent deux. Et lorsque j'ai au moins un cœur, je peux me faire toucher sans mourir et je perds tous mes cœurs. Si j'accumule 7 cœurs, je gagne une nouvelle vie. Donc selon le nombre de cœurs que je possède, je vais me comporter d'une manière ou d'une autre. Ça dépend un peu. Alors là, ce boss, c'est vraiment de la RNG. Et je sais pas où est-ce qu'il va être. La chance. Le dernier est toujours un troll. Oh, allez, où est-ce que tu vas être? Ah, oh, quel méchant. Ok, bon. Voilà, 2,56, ouais, c'est pas terrible, mais bon, en même temps, la RNG est tellement affaite dans ce jeu. C'est vraiment un jeu de grind, hein. Quand tu veux avoir un bon temps, c'est que du grind. Tous les ennemis, les boss, et pas mal de salles vraiment vraiment chaudes dépendent énormément de la RNG. Donc voilà. Ici, c'est aussi une ligne à base de blocs, mais tant que j'ai pas mis un bloc en face d'une statue, elle est susceptible de m'envoyer des boules de feu, donc faut pas traîner. De toute façon, c'est un speedrun donc je traîne pas. Les banquiers épiques, je peux les tuer avec mon grappin. Donc, ce qui était cool. Alors là, j'ai 4 vies, ce qui est pas mal. Donc là, je vais me faire volontairement toucher par cet ennemi pour vider mes cœurs. Oh, zut! Je suis loupé là. Bon, du coup, je vais peut-être plus faire le deathwarp, j'ai plus 3 vies. Je vais juste prendre la planche et me casser. Enfin, c'est un peu dommage. Ce que j'aurais pu faire là, c'est prendre la planche après me faire tuer pour revenir à l'entrée de la salle. Et peu importe. Alors, ici aussi un death warp assez compliqué à faire, mais de toute façon comme j'ai même pas de cœur donc je vais pas le faire, c'est peine perdue. Et là je récupère une clé, et puis comme je fais pas le death warp, ben, je reviens normalement et donc autant choper ça. Ça prend plus de secondes et ce diamant me donne un continu donc c'est vraiment en cas de soucis.
je devrais pas me devoir avoir à m'en servir, mais on sait jamais. Hein. Même à haut niveau, il se peut que je me fasse extrêmement troller. On va bien voir ce qui se passe. Donc là, dans ce niveau, on commence à avoir des ennemis un petit peu plus évolués. Là, c'est ces mecs obèses habillés en rose ont la faculté de shooter dans les blocs, un peu comme moi. Un peu plus tard, il va y avoir une énigme à base de blocs, et les deux gars qui sont présents peuvent vraiment foutre la merde. Pour parler grossièrement. Ok, là, je tue ce mec. C'est pas absolument nécessaire, mais c'est quand même nettement plus simple. Ok, là, j'ai un cœur, donc c'est cool, je vais essayer de le conserver. Ok, ça, c'est probablement la pire salle de ce niveau. Ok, ils ont shooté vers le bas. Je vais shooter ça là. Ok, là, on est à peu près bon. Il y en a toujours un qui me poursuit, mais je devrais le semer. Ok, on est pas mal. Comme vous pouvez le constater, la RNG pourrait vraiment m'embêter gravement là-dedans. Il se trouve que ça n'a pas été trop mal. Donc là, je me sers du cœur pour passer à travers les rondins. Parce que je sais que de toute façon, ici, je vais essayer de me suicider. Je vais faire un autre Death War, en espérant que celui-là, je ne le loupe pas. Ok. Je prends bien pas, je me suicide pour revenir, ça fait gagner environ 3 secondes. Donc c'est pour ça que j'ai sacrifié le cœur, parce que comme je savais que j'allais devoir mourir, il faut aussi que je perde le cœur d'une manière ou d'une autre. Donc autant le perdre en gagnant du temps. Là, je vide un de mes objets. Je prends la clé. Ici, c'est le quatrième Death War de ce niveau. Je pourrais le faire, mais il fait gagner qu'une seconde. Donc, je peux autant conserver mes vies. Histoire d'avoir un petit peu plus de sécurité. Okay. Voilà, ce grappin n'est pas absolument nécessaire, mais je le prends parce qu'il peut être utile. Il va être utile ici, en fait. Mmh. Je vais déjà prendre ça. Je vais utiliser le grappin pour prendre quelques vies ici. Là, j'en ai 5, c'est vraiment très confortable. Habituellement, j'en ai que 3 ici, dans un speedrun sérieux, parce que je sacrifie beaucoup de vie pour faire des Death War. Là, je n'ai fait que 2 parmi les 4, donc que 1 parmi les 4 Death War possibles. Ok. Alors, ce boss-là peut être une vraie pauvre vache, ça dépend de ce qu'il fait, mais encore une fois, c'est bien. Ok, s'il te fait pas toucher, aïe. Et je joue mal là-dessus, c'est tout, ne gâte rien. Heureusement j'ai beaucoup de vie, c'est un peu un hasard. Ok, bon, j'ai eu. Ouais, c'était un peu moyen. Je me suis un peu fait troller, mais comme j'avais beaucoup de vie, c'est pas très très grave. Okay, 3 minutes 31, c'est... Bon, ça reste correct, sachant que j'ai pas fait tous les Death War. Alors, il y a un truc dont j'ai pas parlé dans ce jeu, c'est qu'on peut jouer avec deux personnages différents, Goofy et Max. Goofy est plus puissant, c'est-à-dire que quand je lance un objet sur un ennemi, il me faut généralement un coup de moins pour les tuer. Avec Max, il faut généralement 2 coups pour tuer à peu près n'importe quel ennemi. Sauf vraiment les tout faibles. Et ça compte aussi pour les boss, généralement il faut 2 coups de plus pour chaque boss. Et donc ça rend les boss un peu plus compliqués avec Goofy. Mais la contrepartie, c'est qu'avec Max, je cours plus vite. Donc pour un speedrun, c'est une bonne chose. Ok, là on va voir ce qu'ils font. Ah, ok, cool. J'ai pas perdu mon cœur, du coup j'utilise le cœur ici. Pour passer à travers. Mais encore une fois, quand je sais que je vais devoir sacrifier des vies un peu plus tard, je peux me permettre de perdre un cœur. Oh, encore du cœur, c'est plutôt cool. Ok, au moins ce niveau-là commence bien. Voilà, faut tuer un canon en lui renvoyant sa propre bombe. Rien de bien compliqué. Avec Max, il me faut 5 coups contre seulement 4 pour Goofy. Là où le jeu prend vraiment toute sa saveur, c'est quand on joue à deux. Si vous avez un pote, que vous connaissez pas ce jeu, faites-le à deux. C'est juste excellent. Et là, j'essaie un peu d'optimiser ma trajectoire. Ok, là, il est allé dans le coin et il a lancé une épée, donc je sais que je peux me faufiler sans avoir bumpé l'ennemi, ce qui est plutôt cool. Je peux porter 2 items, donc là j'avais une clé et un grappin. Il y a un truc qui est bien, c'est que normalement on peut équiper un objet ou l'autre en utilisant Headwear. Donc l'objet en question sera en surbrillance. Mais quand je dois utiliser une clé ou une planche, j'ai pas besoin de l'équiper. Elle s'utilise automatiquement dès que j'appuie sur Y près de la porte. Et ici, je vous laisse deviner quel était le mot de passe. C'est pas Peon, ni Nope. Ici, il faut juste connaître l'ordre des switches. Rien de bien extraordinaire. Voilà, ce mec rouge peut balancer des objets. Et parfois, si j'ai de la chance, il m'aide à tuer les ennemis. Bon, ici, ça pourrait être le cas, mais... La salle suivante, je l'appelle la salle du double suicide. Vous allez comprendre pourquoi. Hop, déjà, je perds mes cœurs. Comme ça, je me suicide une fois. Comme ça, je reviens à l'entrée.
Voilà, je le suicide une deuxième fois, je reviens à l'entrée. Je prends le vin. Et j'oublie pas de l'esprit. Donc cet ennemi. Ok, il a failli avoir le temps de lancer une épée. J'étais un petit peu inquiet, mais c'est assez bien passé. Ok, les grappins servent aussi à créer les ponts, mais je perds le grappin en faisant ça. Donc je ne l'ai plus. Ici, il n'y a rien d'autre à faire que attendre, hélas. Et dans ces salles obscures, on pourrait récupérer une bougie si on voulait, mais... Et t'as pas besoin de... Ok, là j'ai pas eu trop de chance, ils visaient au-dessus de moi, c'est de la dinguerie. Là je vais essayer d'exploiter le fait qu'ils peuvent se tirer l'un sur l'autre. Il faut que 5 coups pour chaque canon. Donc là, j'ai donné 4 coups au premier, parce que je veux pas le tuer tout de suite. Je vais encore pouvoir l'exploiter pour qu'il tire sur l'autre canon. Ok, donc là, plus que 1 sur ce canon. Bon, j'ai pas eu trop de chance parce qu'ils sont tirés au-dessus de moi au début. Ça c'est de la RNG malheureusement. J'ai pas de cœur, ce qui est pas génial. Ah là là, oh, ça se passe très mal, je vais résister la salle. Ah, ça c'était vraiment dommage. Mais là je pouvais pas faire grand chose, ok, je vais essayer de monter. Ouais, c'est bon, ok, voilà. Ça pouvait pas se passer comme ça la première fois? Bon, évidemment que. Ok, boss. Ok, alors. Ce boss là peut vraiment faire perdre beaucoup de temps, selon la RNG. C'est 2 squelettes. Ils nécessitent 12 coups chacun et je ne peux les vaincre qu'en leur lançant leurs propres œufs. Je vais essayer d'éliminer le bleu en priorité parce que lui il ne lance que 2 œufs à chaque fois au lieu de 3 et ses œufs prennent plus de temps avant d'être utilisables. Oh là là. Ça n'a pas compté ça. Alors, j'ai tué le premier qu'une fois, celui-là il doit être à 4. Là, ça se passe pas très bien. On est à 6 ou 7, j'ai pas bien compté. Le premier il est à 1. À partir de 6, ils ont la possibilité de lancer leur tête. Alors, bon, il reste plus que le rouge, ce qui est plutôt cool. Allez, mets-toi la lance, les trucs. Merci. 8, 2, 3. Ok, 3. Allez, il lance. J'essaie de me placer d'une certaine manière à ce qu'il lance de manière favorable. On en est à 4. Il lance encore. 5, 6. 7, dévisse sa tête, 8, voilà. Quand il dévisse sa tête, je veux en garder un en réserve parce qu'il se peut qu'il le fasse 2 fois de suite comme là, pour pouvoir tout de suite annuler cette action une deuxième fois. Il peut pas le faire plus de 2 fois de suite, mais il peut le faire 2 fois de suite, donc ça faut le prévoir en fait. Ok, on était à 9, donc 9 plus 3 ça fait 12, c'est pour ça que j'ai pas attendu, je lui ai juste balancé tout de suite les 3. Voilà, c'est un boss qui est énormément de RNG mais aussi un peu de tactique pour réussir à pas trop se faire troller. En fait, faut anticiper le fait qu'une fois qu'il a été mis à plus de 6 coups, il est susceptible de dévisser sa tête et de te l'envoyer. Et si t'as pas un projectile à lui envoyer à ce moment-là, tu risques de devoir attendre très longtemps. Ok, là je voulais vraiment avoir un cœur pour cette salle. Ok, voilà. Voilà, j'utilise le cœur pour passer à travers le grenouille sans être obligé d'attendre. Ici, je me mets ici de manière à ce qu'ils se tirent l'un sur l'autre. Ok, parfait. Bon, ils ont mis un peu de temps, mais bon, en même temps, j'y peux pas grand chose. Alors, la salle suivante, 6 interrupteurs activés. C'est juste une question de temps. Si je tarde trop, les interrupteurs vont se désactiver. Donc, c'est pas une question d'ordre. Là, j'ai juste testé un tas d'ordres possibles pour savoir quel était le plus rapide. Donc, celui-là, c'est à peu près le plus rapide. Ok, il l'a rattrapé une fois. Oh, piège! Putain, ça arrive jamais, ça. Là, ça n'avait rien à peine. Là, je peux le dire. Ok. Ouais, généralement, ils peuvent rattraper mon projectile 0, 1 ou 2 fois selon les cas. Mais pour le deuxième coup, il l'a rattrapé. Ce qui est assez phénoménal, ça arrive presque jamais. Ok, peu importe. Alors, ici, vous pouvez voir qu'il y a une porte à droite. Parce que ce niveau a en fait 2 routes possibles. Mais la deuxième route est beaucoup plus lente. Environ 30 secondes de plus. Celui, quand je jouais à ce jeu en étant gamin, je prenais toujours l'autre route parce que j'étais incapable de résoudre cette énigme. Cette énigme, quand tu connais pas, elle demande pas mal de réflexion, mais c'est un peu chaud pour un boss. Mais bon, quand tu connais la réponse, pas de problème. Parce que là, j'essaie de... Chaque fois qu'il y a une énigme, j'essaie de la résoudre de manière la plus optimale possible. En essayant de pousser les blocs par leur coin, pour optimiser mon mouvement. Ok, là, bon, il s'est écarté de mon chemin. Alors là, j'ai un autre type qui pourrait envoyer balader mes blocs, donc j'espère qu'il va pas le faire. Ok, c'est cool. Il faut que j'enlève ça. Ah, rien dedans. Comme la porte met un certain temps à exploser, c'est pour ça que
Et j'ai soulevé un tonneau juste histoire de voir si je pouvais avoir un drop. Ok, j'ai 2 cœurs, donc on devrait être à peu près safe pour la salle suivante. Là, ça va être 4 interrupteurs activés. Mais le mec rouge en haut à droite, si ça se trouve, il va se mettre devant l'interrupteur. Est-ce qu'il le fait? Non, il le fait pas. Ok, bon, c'est pas grave, j'ai un cœur donc je peux le sacrifier. J'aurais même carrément pu faire un death warp sur le mec rouge. Bon, ça fait gagner qu'une seconde et bon, c'est peut-être un petit peu overkill pour un marathon. Encore que j'ai eu 3 vies, donc c'était à peu près jouable. On va pas tenter le diable. On sait jamais ce que ce jeu te réserve. Ok, là une petite énigme va résoudre dans le noir. Quand tu joues en casual, en général t'essaies de récupérer la bougie pour voir plus loin. Ok. L'une des pires salles du jeu. Sauf que grâce à cette méthode, je suis à peu près sûr de pouvoir tuer de manière efficace les deux de droite. C'est juste que c'est un peu random pour les deux autres. Allez, meuf, voilà, cool. Ok, c'était pas le mieux, mais au moins j'ai pas eu à resetter la salle, donc je me considère heureux. Cette salle peut être un vrai cauchemar hein, si t'as pas une strat hein, un petit peu élaborée. Le fait de bumper le troisième mec assure à peu près que les deux de droite vont venir en haut, ce qui fait que je peux les aligner avec un bloc. Mais pour les deux autres, rien n'est moins sûr, et surtout celui de gauche. Ok, là, une autre strat, je vais essayer d'en attirer trois et les mettre dans le coin. Parce que cette salle est absolument abominable quand tu joues avec Max, parce qu'il me faut deux coups par bonhomme. Donc j'essaie de les mettre dans le coin de manière à pouvoir les aligner. Ah, reste là, si je vais. Reste là. Ah, reste là. Oh, bon, il en reste plus qu'un, c'est déjà ça. Allez, suis-moi. Viens là. Il monte. Ok, il monte. Voilà. Ça, je peux l'avoir d'ici sans être obligé de faire des voyages. Ok, c'était pas trop mal. 16 minutes 10, ok. Bon, j'aurais aimé un sub 16 ici, mais bon. On va s'en contenter. Ok. Si vous voulez faire une petite pause toilette, aller chercher un café ou lire vos mails, c'est le moment, parce que ce boss est un petit peu longué. C'est deux chenilles qu'il va falloir tuer. Je peux les atteindre qu'en leur lançant un clou à la tête. Le reste du corps n'est pas sensible. Là, je lance des clous parce qu'il y en a d'autres à faire. Ah, Mira, merci. Ah, voilà, j'ai failli le louper. Ok, là, ils sortent un par un, pour l'instant. Bon, j'ai pas trop de chance avec leurs apparitions, mais peu importe. C'est aléatoire, à l'endroit où ils peuvent arriver. Mais c'est vraiment important d'essayer de les toucher au plus vite, le plus vite possible, parce que ils vont se déplacer plus vite après avoir été touchés. Et du coup, ça fait avancer le boss plus vite. Donc maintenant que j'ai fait 4 coups, ils vont sortir à 2. Et là, il y a un petit truc qu'on peut faire pour essayer d'optimiser le boss. Vous avez peut-être remarqué que plus je les touche, plus ils vont vite. Du coup, je vais essayer d'alterner lesquels je touche. Donc là, si j'ai bonne mémoire, j'ai touché le violet. Je vais essayer de toucher le vert. Voilà. Voilà, comme ça, ça évite d'en avoir un qui soit très rapide et un qui soit lent, parce que si je fais ça, ben le boss sera lent au final. C'est le principe du troupeau de moutons qui ne se déplace qu'aussi vite que le plus lent d'entre eux. Donc là, j'essaie d'optimiser le boss en touchant l'un, puis l'autre, puis l'un, puis l'autre, etc. Donc là, c'est le vert qui est en avant, donc je vais essayer de toucher le violet, tant mieux. Donc maintenant qu'ils sont tous les deux à peu près rapides, ça n'a plus beaucoup d'importance de faire cette optimisation. C'était surtout important pour les deux premiers coups, pour éviter d'en avoir un qui soit super lent, qui ralentisse le processus. Ok. Maintenant, je vais essayer de toucher le violet si je peux, mais s'il est dans une mauvaise position, je vais éliminer le vert, ça n'a plus beaucoup d'importance à ce stade. Ah, voilà. Bon, je tue le vert, tant pis. C'est pas très grave. Là, ça change plus grand chose. Ouais, mais c'est quand même une optimisation relativement mineure, parce que c'est surtout les RNG qui comptent sur ce boss. Les endroits où ils apparaissent, c'est le temps qu'il me faut pour pouvoir les atteindre. Et il doit y avoir une variance de 2-3 secondes maximum entre un bon boss et un mauvais boss. Donc c'est loin d'être aussi énorme que les 20 ou 30 secondes que peuvent te faire perdre les squelettes, ou les 2 minutes que peuvent te faire perdre le boss final. Donc là, on est déjà au niveau final, donc c'est cool. Et oui, ça passe vite. C'est le seul défaut de ce jeu. Il est génial, mais il est un petit peu long. Il est un peu court, lui. Donc voilà. J'ai gagné une vie, mais j'ai plus de cœur. C'est un peu contrariant, il va falloir que j'en trouve un. Il faut absolument un cœur pour l'une des salles suivantes. Parce que si j'ai pas de cœur, ça risque de prendre 30 secondes au lieu de... même pas 10.
Ok, un cœur pisse. Un cœur, ouais, cool. Voilà. Là, je vais tricher un peu avec cette énigme, parce qu'il se trouve qu'on peut shooter un bloc à partir d'une case vide. Du coup, j'ai un peu court-circuité l'énigme. Hop là. Oh là là. Oh, punaise, il m'a eu avec son épée. Alors ça, ça c'est pas banal. C'est pas la première fois que ça m'arrive, mais c'est quand même relativement rare. Ok, peu importe. C'est pas comme si il m'avait fait perdre beaucoup de temps. Puis j'ai assez de vie pour le reste du jeu. Ok, la salle là. Cette salle, elle peut être abominable. Encore une fois, question d'RNG. Reste en bas le verre, reste en bas le verre. Ben, si le verre reste en bas, je suis heureux. Non, non, non. Merde, ah mince. Finesse, le verre est pas mort. Ça, c'est très mauvais. Reste là. Fais-toi tuer. Oh là là, il va falloir une éternité. Merde. Oh, bon. Ok, j'ai eu un peu de bol. Mais là, j'ai... Cette stratégie-là, c'est vraiment la meilleure que j'ai trouvée et c'est loin d'être du sûr. Et là, j'ai pas eu de chance. Ok, ici, je vais utiliser la cloche pour attirer les deux mecs verts. Je vais utiliser une deuxième fois pour les finir. Ok. Le gros type rouge est insensible à la cloche et au grappin. Donc lui, il faut le finir avec un autre cycle complet de la plateforme. Hop là. Ok, donc deux cycles, donc c'est ce qu'il faut. C'est possible de faire en un cycle et demi si on a vraiment beaucoup de chance et que le type rouge, par hasard, se retrouve tout à gauche. Donc, auquel cas, on peut le viser sans être obligé d'utiliser la plateforme. Mais bon, ça, c'est pas vraiment quelque chose sur lequel on peut compter. Ça peut arriver par hasard si on a des bonnes. Et ça, c'est une ligne qui est pas super évidente quand on ne connaît pas la réponse. Il y a plusieurs ordres possibles dans lesquels je peux shooter les blocs. Donc là, je fais l'ordre le plus rapide que je trouve. Celui, bon, c'est une différence de quelques pouillennes. Voilà. Il y a un autre truc qu'il faut savoir, c'est que ce niveau, globalement, peut être résolu de deux manières. Parce que là, ce deuxième grappin, j'aurais pu aller le chercher à un autre endroit. Et du coup, ça aurait un peu perturbé les objets que j'ai en main, parce que je peux en porter que deux à la fois. Du coup, je me serais trouvé avec une clé et un grappin à un moment donné que j'aurais été obligé d'écouler. Puis après, il aurait fallu que je backtrack. Avec cette nouvelle route, j'ai fait déjà un petit peu de backtrack, mais c'est pas aussi grave parce que j'ai déjà la cloche. Avec l'autre route, il aurait fallu que je prenne cette cloche qui est là, dans le coin inférieur droit, et ça aurait fait perdre 7 secondes. Donc peu importe. Ok, alors lui, il faut utiliser la cloche pour l'attirer. Et là, je vais bouger d'une manière un petit peu bizarre. Parce que ce jeu est un peu étrange. Et si on ne bouge pas convenablement, ce Gugus va généralement contourner les obstacles d'une mauvaise manière. Il va les contourner dans le mauvais sens. Il va prendre tous les tournants dans le mauvais sens et faire perdre un temps fou. Donc ouais, il faut savoir à peu près comment bouger pour manipuler son IA. Ouais, c'est dû au pass-planning des ennemis qui est un petit peu étrange dans ce jeu. Ok. Hop. Ah, il m'a pas touché, hein, c'était pas moi. Okay. Voilà. Ici, une salle avec plein de trucs. Plein de pièces d'or. Là, je me réfère au dessin qu'il y a sur le mur pour savoir à quel moment je prends la clé et à quel moment je reviens vers le bas. Hop. Et là, encore un autre moment de grand RNG. Cela dit, il y a un truc que je peux faire. Il faut que j'aille tout en haut à droite. Et hop, on est bien. Ok, super. Alors là, l'astuce, c'est que quel que soit le pattern que j'obtiens, j'ai toujours au moins soit la tuile en bas à gauche, soit la tuile en bas à droite qui est favorable. C'est-à-dire qui va avoir une flèche qui va vers le haut ou vers la droite. Donc en me positionnant en bas au milieu, je vais être sûr de pouvoir activer l'une de ces deux tuiles selon ce qu'il faut. Mais le problème, c'est qu'une fois que je suis arrivé à destination, il faut quand même que je retraverse le reste de la plateforme. Et donc potentiellement, je vais activer une tuile défavorable qui va m'éloigner de mon but. Donc heureusement, ça c'était pas trop le cas, là j'ai plutôt de la chance. Et les patterns possibles sont fixes, mais leur ordre d'apparition est aléatoire. Et enfin, cette énigme aussi est relativement complexe quand on n'est pas habitué. Mais il y a quand même beaucoup de solutions. Celle que j'ai exécutée est la plus rapide que j'ai trouvée. J'en ai testé pas mal. Et une nouvelle strat pour ça, hop, je tue le mec en haut à droite, tourne, c'est pas bon. En haut à gauche, puis en haut à droite, bon là j'ai pas eu de chance, il est parti. Merde, pas cool. Ok, voici le boss final. Ah punaise, mon PB est déjà fini. Mais soit. Ok, bienvenue à RNG Land. Oh là, je suis un noob. Ah, je peux même pas récupérer. Ok, il appelle déjà les mecs, donc c'est pas génial. Je sais pas pourquoi j'ai lancé la bombe vers la droite. La pression sans doute. Ok. Des bombes s'il te plaît. Donc il faut que je touche 14 fois. Hein. Voilà, on n'est pas rendu. Donc
12 épées. Là, j'en suis à 3. 4. 5. Allez, attends. Alors, toujours qu'à 4. Oh là là, ils m'aident pas alors. Il appelle à nouveau les mecs. Le fait qu'il appelle ses deux gardes. Bon, il y a une strat qu'on peut faire à partir de ça, c'est le fait qu'une fois qu'il y a au moins un des deux mecs en vie, bon, ça force le boss à rester sur ses plateformes. Enfin, là, j'ai vraiment pas de bol. Du coup, j'ai perdu compte. Du coup, si le boss est forcé de rester sur les deux plateformes, il ne peut faire que deux mouvements possibles qui sont appelés utiliser son pistolet ou faire des bombes. Donc, statistiquement, je vais avoir des bombes plus souvent. Le problème, c'est que tout ça, c'est que des plans sur la comète. On peut pas vraiment prévoir ce qui va se passer. J'aurais statistiquement des bombes plus souvent, mais en fait, ça va peut-être pas être le cas, et je peux pas prédire grand chose. Ok, j'ai des bombes à nouveau, je vais tuer ce mec, avoir le champ libre. Je sais pas du tout à combien j'en suis, j'ai perdu le compte. Hop! Ouais, voilà, j'ai cancellé son pistolet, c'est déjà ça. Ouais, sérieux! Il me le refait, punaise! Voilà, RNG de crasse. Ok, là il fait des bombes. Quand on se remet en haut au milieu, il va me faire une petite tornade de bombes. C'est ce que je veux. Là, celle-là, je peux la prendre. Ok, on est à 14 et... Fini. Ok, 25-47. Oh, tout compte fait, c'est pas mal. 6-34. Si vous voulez une comparaison, mon PB a 5-15 sur ce niveau. Mais mon PB, je le battrai jamais, parce qu'il avait une RNG extraordinaire sur le boss final. C'est un truc qui arrive à un run sur 1000. Je pense que ce sera probablement jamais battu, enfin, en tout cas pas par moi. Ok, 25-47. Ben, c'est pas mal pour un marathon. Franchement, j'ai pas trop de regrets à ce niveau-là. Donc j'ai loupé quelques trucs, je dois bien l'avouer. Mais au niveau du gameplay, ça allait. Je pense que